Tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une balade dans mon jardin. Donc aussi, il y aura un petit bonus. Donc comme vous l'avez remarqué, j'ai acheté le poulain Mustang 2016, suivi de sa mère. Donc le poulain s'appelle Omega, la mère s'appelle Apple. Aussi que j'ai acheté Opale, donc une jument Lipizzan, et Sicuette, une jument frison. Donc en fait, je veux dire que Opale et Saphir sont sœurs, que Sicuette et Shadow sont amoureux. Donc comme ça, s'il y a un poulain frison qu'ils sortent dans les années suivantes, comme ça je l'achèterai et puis ils auront un petit poulain ensemble. Et donc bah avec Apple et Omega, donc Omega est le fils de Désert, et donc Apple est la jument de Désert. Donc on va passer à l'histoire. Donc c'était le petit bonus que je voulais faire en petite surprise. Coucou Jupiter, ça va mon chéri? On va partir en balade aujourd'hui. Coucou Saphir, ça va ma chérie? Coucou Royal, ça dit de partir en balade aujourd'hui ma chérie? Ah bah oui ma louloute. Oh, t'es ma petite chérie, mon petit amour. Léa, c'est Léa, venez. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, en fait, comme on a reçu deux nouvelles juments, est-ce que ça vous dirait de les monter? Non, c'est vrai? Les nouvelles? Les deux nouvelles qui sont dans le pré? Oui. Et les filles, comme c'était les vacances, en fait, je voulais pas vous le dire par message parce que je voulais vous faire une surprise, mais en fait, oui, on a vu, il y avait un poulain dans le pré, il était trop mignon. Oui, et aussi, en fait, on a acheté en fait, c'est parce que je voulais acheter la mère, et en arrivant ici, en fait, la mère, eh ben, elle a eu Omega avec Désert. Ah, donc le poulain s'appelle Omega. Oh, il est trop mignon. Et la mère, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Apple. Donc Apple a eu Omega avec Désert. Oh là là, c'est trop mignon. J'espère qu'il va pas avoir le comportement du père. Hein. Oh oui, ça suffit de critiquer mon cheval. Hein. Et aussi, comment elle s'appelle la frisonne et la jument Lipizzan? La jument frison, c'est Sicuette, et la jument Lipizzan, c'est Opale. Donc, Célia, tu montes Sicuette, et Léa, tu montes Opale. Je suis trop contente de monter une frison! C'est trop bien! C'est ma race préférée. Ah bah, tu sais, je le savais, c'est pour ça que je te l'ai mis. Oh là là, je suis trop contente! Parce que déjà, moi, à la base, je voulais acheter Shadow, mais j'avais Flamme avant. Mais là, oh là là, c'est trop bien. Je vais demander à mon père si on peut l'acheter. Ben, on pourra pas. C'est la jument du club. C'est pas possible. Oh non, je suis dégoûtée. Bon, allez vite, allez sceller vos chevaux. Les autres, à mon avis, ils les ont déjà scellés. Ok. Coucou Secret. Coucou Opal. Une fois que les chevaux étaient scellés. T'as vu, ça lui va bien mon nouveau tapis? Ouais, t'as raison, ça lui va trop bien. Allez les filles, dépêchez-vous de monter. Ouais. Ok. Vous avez vu les filles, on monte les nouvelles juments. Nananère. Oh, je suis dégoûtée. Pareil. Pareil. Et Céline? Enfin, Célina? Oui, les filles. Pourquoi on les monte pas, nous? Bah, il y en a que deux. Je peux pas vous les faire monter toutes. Hein. Oh, on pourra les monter la prochaine fois? Oui, si
C'est que jusque vous êtes 5, donc il y en a 3 d'entre vous qui pourront pas les monter. Donc c'est sûr qu'il y aura Célia et Léa qui pourront pas les monter, mais il y en a une d'entre vous 3 qui pourra pas. Oh non! Bah oui, je suis désolée. Je suis sûre que ça tombera encore sur moi. Je suis trop dingue. Allez les filles, on se met en route. Et comment s'appellent-elles les juments? La petite grise, c'est Opale. Et la noire, c'est Secret. Oh, j'adore. Elles sont trop belles. Allez. Sinon, on va être en retard, les filles. On se met par deux. Moi, je vais devant avec... Je vais prendre Jupiter, parce que je ne vais pas mettre une jument à côté d'un étalon. Donc Léa, tu viens à côté de moi. Ensuite, je vais mettre... Allez, je vais mettre les deux nouvelles. Donc Léa, Célia. Donc avec les nouvelles juments, comme ça, ils s'habituent un petit peu à leurs camarades. Il y a l'environnement, comme ça, s'ils se barrent, au moins, il y a des personnes qui encadrent. Et donc, en dernier, Jeanne et Sophie. Allez, go, on y va. Donc, je suis désolée, je vais devoir faire en deux parties cette vidéo. Et donc, en faisant deux parties comme ça, la deuxième, je vais pouvoir la faire un peu plus longue dans le jardin. Comme ça, la balade sera plus longue et je vais beaucoup plus m'appliquer parce que là, j'aurai vraiment pas le temps. Donc, je vous dis bye bye et à la prochaine. Ciao.